Eh bien, bonjour et bienvenue dans cet épisode 8 de notre série sur Human Resource Machine. Alors la dernière fois, on avait commencé la branche verte, enfin la partie verte du jeu. On avait fait les niveaux, enfin on avait fait les trois premiers niveaux de cette partie verte. Et donc bon, aujourd'hui, on va continuer avec l'étage 32, bilan d'inventaire. Donc déjà la 32e année que je passe dans cette organisation. Donc là encore, on va encore travailler avec des lettres, hein. C'est ce qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc vérification d'inventaire. Alors je vais regarder rapidement. Enfin hein. Même si de toute façon je l'avais déjà fait. Moi c'est ma partie personnelle. Je vais regarder rapidement. Donc voilà. Alors pour chaque élément dans l'inbox, envoyez vers l'outbox le nombre total d'éléments identiques sur le sol. C'est-à-dire qu'ici, le premier élément c'est un A. Donc on va devoir envoyer dans l'outbox le nombre de A qui se trouve sur ce tapis. Voilà, et pareil pour toutes les lettres. Donc, alors cela ne devrait pas être trop compliqué. Donc là on a la constante 0. On va la copier ailleurs de toute façon pour travailler sur une autre case. Donc on va le mettre par exemple ici. Donc copy from 0. Voilà, et 19, on va la renommer d'ailleurs en NB, pour pas se tromper. Donc ici, à chaque fois, ce sera le nombre de lettres, hein, enfin le nombre d'occurrences de la lettre, de cette lettre-là, enfin de la lettre qu'on tirera dans l'entrée. Donc en fait, bah, à chaque fois, il va falloir parcourir tout le tapis, hein, de toute façon. Ah oui, donc il va falloir également faire évoluer une adresse. C'est ce qu'on avait déjà vu hein, avec le système de référence. Donc le 0, en fait, on va devoir en faire deux copies. Ouais, une deuxième pour l'adresse également. Donc on va également renommer cette case. Et donc en fait, pour chaque élément. Eh bien, on va parcourir, comme je l'ai dit, toutes les cases mémoire. Et on incrémentera, tout simplement, à chaque fois qu'on rencontrera la lettre en question, eh bien, on incrémentera un compteur. Hein. Donc voilà, on prend l'élément. Alors, pour comparer des lettres, on peut tout simplement faire un sub. Hein. Parce que, comme je l'ai déjà dit plus tôt, les opérations fonctionnent hein, sur les caractères. Par exemple, si on fait A moins A, cela fera 0, puisque ce sont deux caractères identiques. Donc là, on va en avoir besoin. Donc, on prend la lettre dans l'entrée, et puis on fait, bah après c'est une boucle, hein. À chaque fois, on fera un sub, de la lettre qui se trouve sur la case, correspondant à la valeur de ADR. Donc c'est sub en référence voilà, de ADR. Donc au début ce sera 0. Donc on fera par exemple A moins B. Donc là c'est pas la même lettre, donc on aura un résultat différent de 0. Ce qui fait que donc on passera à la lettre suivante. Par contre, bon après donc on incrémente l'adresse, qui vaudra 1. Donc on fera A moins A. Là par contre c'est la même lettre, donc on aura un résultat de 0. Ce qui signifiera qu'il faut incrémenter le nombre qui se trouve ici, le nombre d'occurrences. Et donc voilà, jump if 0 ici, par rapport au résultat de la soustraction. Donc si c'est 0, comme je l'ai dit, il faut incrémenter le compteur. Donc qui se trouve ici. Et de toute façon, dans tous les cas, il faudra incrémenter l'adresse. L'adresse donc qui se trouve sur cette case-là. Donc en fait, ouais, de toute façon, parce que jump if 0. Alors le problème, parce que de toute façon, dans tous les cas, il faut incrémenter l'adresse. Donc bump plus ADR. Et à chaque fois, on revient ici.
Non, je pourrais simplifier. Ouais, non, ça ne va encore pas en fait. Non. Dans tous les cas. Donc jump if 0, si c'est 0. De toute façon, dans tous les cas, il faudra faire le bump plus hein, de l'adresse. Donc si c'est 0. Ouais, voilà. Là, c'est bien comme cela qu'il faut faire. Parce que celui-là, on le fait dans les deux cas. Ouais. Donc c'est bien cela. Donc si c'est 0, on exécute les deux instructions. Sinon, on arrive là. Donc on fait que ce bump-là. Voilà. Et puis je pense que c'est bon. Ah oui, non, il y a quand même la condition d'arrêt. Parce que si on tombe... Ah oui. Parce que le problème, c'est qu'on va incrémenter l'adresse. Mais au bout d'un moment, forcément, il n'y aura plus de lettres, hein. Donc, en fait, quand on arrive sur cette case-là, cela voudra dire, donc sur la case qui porte en fait la constante 0, quand on arrive sur cette case-là, ça signifie que la lecture est terminée, enfin que la lecture des cases mémoire est terminée. Donc, cela, il faut également le préciser quelque part. On va pas avoir le choix, il faut déjà que je fasse un copy from en fait de la référence de ADR. Pour savoir si c'est 0 justement. Et donc si c'est 0, eh bien on sort de cette boucle-là. Sinon on est obligé de reprendre la case. Enfin, de reprendre la lettre qu'il faudra donc stocker quelque part. On va la mettre ici. On va l'appeler, bon, L, par exemple. Donc, on va être obligé, voilà, inbox. On va la copier là, en L. D'ailleurs, cela, on pourrait le faire après. On l'avait déjà vu. Ouais, à chaque fois, il faut tout remettre à zéro. Et donc du coup à chaque fois voilà faut refaire ici un copy from. Voilà, si c'est pas 0, si on arrive pas, enfin si on n'est pas encore sur la case 0, enfin sur la case qui porte la valeur 0, eh bien on continue à comparer les lettres, hein, tout simplement. Enfin à comparer la lettre, cette lettre-là, avec ben, voilà, avec une de celles-ci. Voilà, donc ça devrait être bon. Et puis à la fin, on met dans l'outbox la valeur NB, hein, tout simplement. Ouais. Donc copy from NB outbox. On va pouvoir tester. Donc A, voilà, on copie ici. Donc voilà, on initialise les deux valeurs là avec la. Enfin, ces deux cases-là avec la valeur 0. Voilà, donc là on avait moins 1 en résultat, donc on avait deux lettres différentes. Là cette fois-ci on va avoir A moins A, 0, voilà. Donc on incrémente le nombre. Ensuite, donc on incrémente également l'adresse hein, à chaque fois, pour bien passer à la case suivante hein, dans la lecture de la mémoire. Voilà, donc là, valeur différente. Bon, du coup, cela fait pas mal d'étapes en plus, hein, parce qu'à chaque fois, il faut reprendre la lettre L. On n'a pas le choix, parce qu'on est obligé de vérifier qu'on n'est pas sur la... Enfin, on est obligé de faire un copy from ici, pour s'assurer qu'on n'est pas sur la case 0. Mais de toute façon, on serait quand même obligé, puisqu'il y a un bump plus ici. Donc oui, on serait quand même obligé à chaque fois de reprendre la lettre. Hein. Donc de la stocker quelque part. Voilà, bon, on avait encore 0, donc... bon, voilà. Bon, après, c'est le même principe à chaque fois, hein. Donc on va pouvoir accélérer un peu. Donc là on devrait avoir 4, hein, puisqu'il y a 4 fois la lettre A sur le tapis. Donc voilà, on a bien 4 en sortie. Ensuite là la lettre c'est C. Alors, donc on devrait avoir 2.
Donc j'espère que ça va fonctionner, mais a priori c'est bon, hein. De toute façon, au début, on remet bien l'adresse à zéro, enfin l'adresse et le nombre à zéro après chaque prise de valeur dans l'entrée. Donc là, il y a bien 3x, c'est bon. Et on termine avec la lettre B. Bon là c'est assez long quand même, on peut le voir. Donc ça va faire pas mal d'étapes. Hein. Je sais pas si je vais avoir les défis. Et les B, il y en a 5. Voilà, c'est bon. Donc cela fonctionne. Et ah oui, alors par contre on est quand même loin. Ouais, 488 étapes. Hein. Bon, cela s'est ressenti hein, à l'exécution. Ah par contre je pourrais faire une commande de moins. Bon, par contre, les étapes, hein, je sais pas si on va pouvoir. Alors, où est-ce que je pourrais optimiser? Et c'est peut-être quand même ici, hein, avec les jumps. Ah! Ou alors avec le. Bah non, non, non. Parce que de toute façon, au début, ça, on est bien obligé de le faire. Cela, on doit le faire aussi pour vérifier qu'on n'est pas sur la. Enfin, pour savoir si on a fini de lire la mémoire ou non. Copy from de L, oui. Non, ça, on est bien obligé de le faire, hein, je pense. Ou alors on pourrait faire le bump plus ADR avant. Ouais, on va peut-être faire cela. Ah bah oui, mais non, parce que là, sub. Non. Non, parce que sinon, là, on sauterait le premier. Là, on revient bien ici. Non, là je vois pas trop comment on peut faire. Bon, c'est pas grave, on va pas optimiser. On va pas passer trop de temps non plus sur les problèmes. Donc tant pis, hein. Là on n'aura pas fait les défis. Donc ensuite une pause, où est Carole? Année 33. Ouais, effectivement il y avait trois personnes avant. Enfin, on voyait trois. Enfin, voilà, on vient de l'avoir passé par la fenêtre. Donc il se passe quand même des choses. Bon, on l'avait déjà dit, mais. D'accord. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit à un moment, c'est que ces pauses, en fait, enfin, les petites cinématiques qu'on rencontre un peu par un peu, enfin, tout au long du jeu, représentent en quelque sorte l'avenir, en fait, hein. Bon, pas forcément l'avenir le plus souhaitable, mais je pense que c'est une vision, en fait, de l'avenir de l'humanité, enfin, d'un avenir possible, en quelque sorte, enfin, d'un avenir envisagé. Je sais pas, cela doit être cela en fait l'idée. Hein. Enfin, ouais.
Ou alors le risque aussi de donner trop de pouvoir aux machines, ou je sais pas, enfin bon. Bref, on va pouvoir passer au niveau 34, incinérateur de voyelles. Donc là, en fait, on va devoir tout simplement... bon, de toute façon, il va nous le dire. Alors déjà, il nous parle sans voyelles. Voilà, donc en fait, on va devoir supprimer toutes les voyelles de l'entrée. Voilà, envoyer tout de l'inbox vers l'outbox, sauf les voyelles. Donc, du coup, on va devoir conserver seulement les consonnes. C'est assez logique. Donc là, en fait, on a toutes les voyelles, hein, bon, à titre d'exemple. Enfin, on en aura besoin de toute façon pour les détecter. On pourrait annoter les cases d'ailleurs, mais bon, c'est pas forcément très important. Donc, eh bien, en fait, hein, le principe là, c'est tout simplement pour chaque lettre de l'entrée, eh bien, on va devoir regarder si elle est, si elle est égale à une de ces lettres-là. Donc, si c'est le cas, c'est une voyelle, sinon, c'est une consonne. Sachant qu'on peut on peut faire une boucle, hein, puisque là on a un 0 pour marquer en fait la fin de la, enfin la fin des données en quelque sorte, hein. Donc on pourra faire une boucle comme, selon le même principe que tout à l'heure, hein, dans le niveau précédent. Donc là c'est pareil, on a une constante 0 qu'on va devoir copier. Encore une fois, on aura un ADR, hein, pour avancer dans la lecture. Donc, inbox. Alors, il faudra faire aussi un copy from 0 pour le mettre dans ADR. De toute façon, on sera obligé de... Comme tout à l'heure, on va être obligé de la stocker, la lettre, hein. Donc, on va faire une case L. Donc, inbox. Copie tout L. Donc là c'est la lettre que l'on prend dans l'entrée. Donc on initialise l'adresse à 0. Hein. Ensuite. Donc ensuite, en fait, encore une fois, ça va être un sub. Hein. Ça va ressembler quand même au niveau précédent. Hein, puisque c'est encore des comparaisons de lettres. Donc on prend la lettre qui est stockée ici. On la soustrait à une des 5 lettres là. Donc ce sera en fait par rapport à la valeur de ADR. Voilà. C'est bon. Non, j'ai retiré le ADR. Si c'est 0, cela veut dire que cette lettre-là est une voyelle. Par exemple, si c'est A, il y en aura 1 moins A égale 0. Donc là, dans ce cas-là, c'est une voyelle. Eh bien, on revient au début du programme, en fait, dans ce cas-là. Puisque, de toute façon, si on a une voyelle, on fait rien. Hein. On envoie seulement les consonnes dans l'outbox. Et puis, sinon, on continue la boucle. Et donc, en fait, si cette jump if 0 là n'est jamais exécutée, cela signifie que la lettre est une consonne, hein, tout simplement. Alors, ils ont pas mis le Y là, mais bon. Ça, on va partir du principe qu'il n'y a que 5 voyelles là, pour ce programme-là. Donc, sinon, on continue, hein, tout simplement. Ah oui, il faut quand même faire un bump plus de l'adresse. Voilà. Parce qu'au début, on compare avec le A, ensuite, on compare avec le E, puis avec le I, etc. Ah oui, puis encore une fois, on va être obligé de... Ah, je sais pas. Ah, je crois savoir comment on aurait pu optimiser tout à l'heure. Bon, on va essayer sur celui-là du coup, mais après. Bon, alors, on va déjà faire un copy from. Parce qu'à chaque fois, en fait, voilà, il faut regarder... Il faut déjà analyser la case en fait avant de faire la soustraction. Parce que si c'est 0, mais à chaque fois. Oui. Si c'est 0, cela signifie qu'on a fini la boucle. Hein.
puisque ça veut dire qu'on arrivait là, donc il n'y a plus aucune comparaison à faire. Donc dans ce cas-là, eh bien si on est arrivé là, cela signifie que la lettre n'est pas une voyelle, hein, puisque aucune des comparaisons n'a renvoyé de résultat à zéro. Donc dans ce cas-là, on peut mettre la lettre dans l'outbox. Copy from the L, outbox. Voilà. Donc là c'est tout, hein, on revient au début du programme. Donc H. Voilà, on initialise l'adresse. Donc on prend la première voyelle. H-A, 7. Donc c'est pas une voyelle. Enfin, donc la lettre n'est pas A. Ensuite, H-E, 3. Donc c'est pas 0. Donc H, enfin la lettre n'est pas E non plus. H-I, voilà, encore une fois, c'est pas 0. H-O, pareil, hein, voilà, encore H est différent de 0, est différent de O. Et pareil pour H-U, hein, donc voilà, donc là on sait que H, voilà, on arrive sur la case 0. Voilà, on n'a pas déterminé que H était une voyelle, donc on l'envoie dans l'outbox. Par contre avec U, ça va être différent, donc là on va avancer un peu. Voilà, donc U. Ouais, là on fait un petit détour, on pourrait faire plus simple en fait, pour optimiser. U est une voyelle, donc on passe à la lettre suivante. Voilà. Voilà, donc on va accélérer, cela va être assez long. Ouais. Alors c'est long, sauf si. Sauf dans le cas par exemple avec E ou A, cela va aller assez vite. Donc là, on va avoir ici toutes les lettres de l'entrée, sauf les voyelles. Mais comme je l'ai dit, on va pouvoir optimiser, hein. Bon, je pense que je vais le faire sur l'autre programme. Après, comme c'est assez long, je vais peut-être pas le refaire ici. Bon, je vais au moins vous présenter le principe. Donc je pense que là, je vais encore avoir une commande en trop, en fait. Et voilà, donc c'est bon. Et effectivement, voilà, j'ai une commande en trop. 14 au lieu de 13. Et pareil pour les étapes. Hein, j'ai encore trop d'étapes. Mais justement, cela va permettre aussi de diminuer considérablement le nombre d'étapes. Donc je vais vous montrer sur l'autre ce que je comptais faire. Sur ce niveau-là, le niveau 32. Bon, on va le copier. Hop. En fait, la soustraction, on va la faire dans l'autre sens. Parce que de toute façon, cela n'a pas d'importance. Là, comme on cherche à savoir si c'est 0, qu'on fasse la soustraction dans un sens ou dans l'autre, cela ne change rien. Donc en fait, on va faire copy from ADR. Mais au lieu de reprendre après la lettre, et donc de faire L moins ADR, enfin moins la case, moins la valeur de la case de numéro ADR, enfin voilà, bon, vous aurez compris, hein. Et bien comme on a déjà ADR, on va directement faire sub de L, tout simplement. Et cela va revenir exactement au même. Voilà. Parce que là, comme on l'a vu à l'exécution, on faisait un petit détour à chaque fois, enfin on la reprenait alors qu'on l'avait... Bon. Enfin, on reprend cette lettre-là pour ensuite la ressoustraire après. Enfin bon, c'était un peu long. Ouais. Donc ça devrait marcher sans problème. Hein. Bon, ça devrait déjà être un peu plus court que tout à l'heure, même s'il doit y avoir d'autres optimisations hein, pour atteindre le nombre d'étapes demandées. Bon, celui-là est assez long, puisque de toute façon, dans tous les cas, là, on est obligé de parcourir toute la mémoire. Y a pas, enfin, on ne s'arrête jamais en cours de route, puisque de toute façon, c'est un dénombrement. L'autre peut, dans certains cas, être plus rapide. Voilà, donc bon, c'est déjà la troisième lettre. Donc les B, il y en a 5. C'est comme tout à l'heure, hein. Je crois que ça n'a pas changé.
Voilà, donc là, on a voilà, 16 commandes. Ah, par contre, toujours trop d'étapes. Hein. Bon, on pourrait optimiser, je sais pas. Bon. Comme je l'ai dit, on va pas le faire. Hein. Là, on va quand même se focaliser sur la résolution des problèmes. Donc, pareil pour celui-là. Bon, on va le faire rapidement aussi sur celui-là. Pour voir si ici, cela me permet d'avoir le nombre d'étapes demandées. Donc voilà, on inverse la soustraction, hein. Au lieu de reprendre le L, on fait directement ici sub L. Voilà. Puisque de toute façon, avant, on prend la case, donc on n'aura jamais de soustraction incorrecte. Donc bah, cela semble fonctionner. Bon, là c'est une consonne, donc on aura jamais... de toute façon on tombera jamais là-dessus. Pareil, par contre le O, voilà. Voilà, le O, on l'élimine. Bon, là cela va encore être assez long parce que là on a plusieurs consonnes. Mais bon voilà, 13 étapes. Bon là pour là ces programmes-là sont pas très difficiles, hein. Bien qu'on soit plutôt vers la fin du jeu. Là on a quand même des programmes assez simples. Même si les suivants, vous allez voir que les suivants risquent de nous poser problème. Ah bah là c'est bon, hein, on a bien les deux défis. Donc celui-là, je ne sais pas si on peut faire mieux. Bon enfin voilà. Bon je pense qu'on va en faire un dernier pour cet épisode. Donc le 35, hein, le suivant. Alors je pense que c'est surtout ceux-là qui... Enfin c'est vraiment ceux-là les niveaux les plus durs du jeu. Hein. C'est cette branche optionnelle qui se trouve ici. Là c'est vraiment le plus... Enfin c'est les... Ah, là c'est vraiment... Enfin c'est vrai, il donne vraiment du fil à retordre ceux-là. Enfin bon, pour l'instant on va donc faire le niveau 35, suppression des doublons. Qui n'est pas... Bah, qui est un niveau obligatoire. D'accord, vous êtes viré. Non. Ouais, donc là on voit que le bâtiment commence à se dégrader. Hein. Cela simule un peu, bon comme j'ai dit, hein, l'avenir sombre. Bon. On voit qu'on approche de la fin. D'accord. Donc élimination des inefficacités. Donc voilà, envoyez tout de l'inbox à l'outbox. Sauf si vous avez déjà vu la même valeur. Débarrassez-vous de tout doublon. C'est-à-dire qu'on doit envoyer une et une seule fois, en fait, chaque lettre de l'entrée. Mais par exemple le B, on doit l'envoyer qu'une seule fois, même s'il est présent deux fois ici. Donc c'est une suppression de doublons. Bon encore une fois, on va utiliser un peu les mêmes structures que dans les programmes précédents. Hein. Par contre là, on va devoir stocker nous-mêmes toutes les valeurs rencontrées en fait sur la case mémoire. Ça risque d'être assez fastidieux. Donc là encore une fois, bon, on a une constante 0 hein, qu'on va copier sur une case ADR. Et on va en fait stocker toutes les valeurs rencontrées, comme je disais. Donc on prend la valeur dans l'entrée. Ouais, alors par contre, ça va commencer à se compliquer quand même. Je pense qu'on va avoir besoin de deux adresses. Alors, on va avoir ce qu'on va appeler ADR max, qui sera en fait le nombre de lettres. Ouais, on va avoir besoin de deux adresses en fait, je pense. Parce qu'avant de stocker la lettre, il faut déjà vérifier qu'on ne l'a pas déjà sur le tapis. Donc en fait, donc on la prend.
Mais par contre, là, on a un tapis vide. Donc au début, en fait, ADR Max vaudra... Ouais, alors on va déjà prendre 0, on va le copier donc sur ADR et ADR Max. ADR Max, en fait, ce sera le nombre de lettres stockées, hein, tout simplement. Enfin, quoi, du coup, c'est pas forcément intuitif comme nom. Bon, c'est pas grave. Et si cela vaut 0, ça signifie en fait qu'on n'a aucune lettre sur le tapis. Donc on peut sans problème... Ouais, bon, en fait, de toute façon, la première, forcément, on l'a jamais rencontrée. Donc la première, en fait, on peut la poser sans problème, hein. Donc oui, sur la case 0, on va plutôt faire comme cela. Donc inbox copy to 0, voilà. Bon, là, c'est pour l'initialisation, enfin, pour la première lettre. Forcément, comme c'est la première fois qu'on la rencontre. Ensuite, alors là... Donc du coup, on va bien mettre ADA 0 en ADR max. Ouais, voilà. Puisque la dernière adresse remplie, ce sera 0. Voilà. Puisqu'il y aura le A ici. Ensuite. Et bon, ensuite, en fait... on va tout simplement... Donc on prend la suivante. Et donc là on se rend dans une boucle. On prend la suivante et on la compare avec chaque lettre. Hein. Tout simplement. Donc de 0 à ADR max. Donc d'ailleurs on pourrait même le faire... On pourrait... Bah, ce serait peut-être plus intelligent. Ouais, on va faire cela. On va pas tout de suite initialiser ADR, en fait on va l'initialiser ici. Bon, là on est dans la boucle. En fait on va copier ADR max, oui. Sur ADR. Donc en fait, on va commencer à la fin, mais ça n'a pas d'importance. Et quand ADR arrivera à 0, bah, c'est ce qu'on aura fini de comparer. Ouais. Donc, copy from ADR max. Plutôt ADR. Et cela c'est valable pour chaque... Ouais, bon alors, on va... Bon, je vais le faire un peu au fur et à mesure parce que là... Bon, cela commence quand même à vraiment se compliquer, hein. Même si, comme je l'ai dit, les niveaux de la branche principale ne devraient pas être trop difficiles. Il y a plusieurs boucles en fait, là c'est un peu... Mais ouais, c'est bien cela. Et donc inbox. Et il y aura encore une boucle en fait, ouais. Donc la lettre, on va la comparer avec celle qui se trouve à l'adresse donnée. Si c'est 0, ça signifie qu'elle a déjà été rencontrée. Donc dans ce cas-là, on revient.
Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Parce que j'ai deux inbox, donc y a un problème. Ah oui, non, mais non, parce que là c'est le premier qui est à part. Ouais, donc non. Si c'est 0, on passe au inbox suivant. Voilà, tout simplement. Parce que si la lettre est déjà rencontrée, de toute façon, on va pas la stocker une nouvelle fois, donc il n'y a rien à faire. Par contre, sinon... Bah sinon, on fait un bump moins de l'adresse. Et si l'adresse est négative, cela signifie qu'on a fini les comparaisons. Ouais, c'est cela. Si c'est négatif... C'est-à-dire que donc la lettre qu'on a prise ici ne correspondait à aucune qui était déjà stockée. Donc il faut l'ajouter à la fin de la liste. Alors par contre, c'est pareil, à chaque fois on va devoir la... Non mais en fait oui, inbox, à chaque fois on est obligé de la stocker, hein. Copie tout, encore une fois, c'est pareil comme dans les niveaux précédents. Ouais. Copie tout, L. Bon, là, on va pas trop s'occuper de... On va pas trop s'occuper de l'optimisation hein, pour l'instant. Donc voilà, on va faire un copy from L, on va vraiment faire le plus simple possible. Et bah à chaque fois, il faudra aussi remettre l'adresse. Non, c'est pas la peine de la remettre à zéro. Mais là, il y aura également une boucle ici, hein. Si l'adresse ici vaut moins 1, cela signifie qu'on peut stocker... Ah, donc en fait qu'il faut faire un bump plus, voilà, de adresse max, puisqu'on aura une lettre en plus dans la mémoire. Et que la lettre, il faut la stocker, eh bien justement, à adresse max qu'on vient d'incrémenter. Et on fait pareil pour toutes les entrées. Et ensuite... Il y a par contre une boucle qui revient ici. Celle-là, je pense qu'il faut la retirer en fait. Ça, c'est ce qu'on fait pour chaque lettre de l'entrée. Mais il y a une deuxième boucle à l'intérieur pour faire vraiment le parcours avec toutes les comparaisons. Voilà, c'est ce qu'on fait ici, hein. Ah oui, mais dans tous les cas, il faut quand même faire un bump moins aussi de l'adresse. Non, 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 parce que si c'est 0, on abandonne tout de suite. Non, si c'est 0, en fait, on passe à la lettre suivante, hein. Donc on revient ici. Voilà, je pense que c'est bon là, je sais pas si vous parviendrez à suivre. Parce que là j'ai du mal à me concentrer en fait en parlant en même temps. Voilà, donc ADR max. Et donc quand on aura tout lu,
Eh bien, il suffira en fait de prendre toutes les. Bah, de prendre toutes les lettres qui auront été stockées ici et de les envoyer dans la sortie. Donc, eh bien, on refera encore un copy from de ADR Max. Copy to ADR. Alors, je sais pas si, ça a une importance en fait qu'on commence à les prendre à partir de la fin. Je sais pas en fait s'il attend la sortie dans un ordre précis. Cela par contre, ce serait bien de savoir. Voilà un exemple. Parce que si mon inbox est. Ouais, alors là, il me les met dans cet ordre-là. Après, je sais pas si l'ordre a une importance. Donc, on va essayer. Parce que là, en fait, on va les prendre à partir de la fin. Copy from ADR Max, copy to ADR. Donc, copy from référence de ADR, outbox et bump- de ADR. Ouais, alors là, je sais pas si cela va. Ouais. Est-ce que je pourrais pas plutôt envoyer directement en sortie au moment de les stocker? Ouais, c'est plutôt cela qu'il faudrait faire en fait. Copy to AD et Outbox ici, ouais, plutôt. Parce que de toute façon, si la lettre n'a jamais été rencontrée, je peux la mettre directement dans l'Outbox et la stocker, comme cela on la mettra bien une seule fois dans la sortie. Ouais, donc c'est pas la peine de refaire la boucle à la fin en fait, hein. Cela alourdirait le programme pour rien. Donc c'est pareil, là on peut retirer cela. Bon, on va déjà tester, hein, comme ça on verra mieux. Ah oui, bah sauf que le premier, justement, faut aussi le mettre dans l'outbox. Et après on initialise 0. Voilà, qu'on met en ADR max. Ouais. Donc B. Voilà, forcément c'est la première lettre, donc c'est la première fois qu'on rencontre un B. Voilà. Donc on le met dans la sortie, on initialise adresse max. Ensuite on a A. Donc A-B. A c'est différent de B. C'est négatif, donc l'adresse est négative, donc voilà. Ça signifie qu'on a fini de comparer avec les lettres existantes, enfin avec les lettres déjà rencontrées. Donc dans ce cas-là, comme c'est une nouvelle lettre, on l'ajoute. Par contre B, donc B c'est différent de A. Mais par contre B, forcément, bon voilà, c'est égal au B qu'on a déjà rencontré. Donc on ne l'ajoute pas. Ensuite le E, voilà, bon c'est pareil, hein. À chaque fois on compare, donc en partant de la fin, hein, puisque cela permet d'avoir une commande en moins en fait. Comme on a déjà l'adresse max. Comme cela après il y a seulement un jump if 0 à faire, c'est plus simple pour faire la boucle. Enfin dans l'autre sens, ça marcherait très bien aussi, hein. Voilà, donc pour l'instant on a B, A, E. Ensuite le C qui sera différent des trois autres. Donc là encore une fois on va l'ajouter à la fin de la liste. Alors c'est ce que j'avais déjà dit, hein, cela peut paraître fastidieux comme programme. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'un ordinateur fonctionne comme cela. Hein. L'ordinateur, lui, il n'a pas une vue d'ensemble sur les données. Il est obligé de les parcourir une par une. Donc c'est vrai que pour un humain, bon, ça peut paraître un peu con à chaque fois de refaire toutes les comparaisons. Mais bon. Alors lui, l'ordinateur ne voit rien. Hein. Lui, c'est seulement. Il compare ce qu'il peut comparer. Une seule chose à la fois. Donc voilà, bon, là, de toute façon, on n'aura plus de nouvelles lettres. Parce que le E, voilà, est égal à celle-là. Donc là, ça devrait fonctionner, voilà. Et on a réussi à optimiser en nombre d'étapes. Notamment grâce au, bah, à ce principe hein, de parcourir enfin, de l'adresse max jusqu'à 0 en décrémentation. Ouais. Par contre, on pourrait faire 3 commandes de moins. Alors, je sais pas si on va le faire.
On pourrait retirer trois commandes. Ah, peut-être au début, hein, parce que là on répète finalement. Après, on est quand même bien obligé. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Une box qui est plutôt zéro. Ouais, on est bien obligé parce qu'après on compare. Alors, comment on pourrait le faire en 17 commandes? Ouais, une box copy to zéro. Ouais, non, là je vois pas trop comment on pourrait faire. On prend la lettre où on est bien obligé d'initialiser l'adresse. Quand l'adresse vaut moins 1, ça signifie qu'on a fini. Bon, je pense qu'on va pas le faire, hein. Après, peut-être que moi, je pourrais trouver une solution si je réfléchissais hors vidéo. Mais bon, je pense que l'épisode a assez duré. Donc on va en rester là. Bon, cela fonctionne, c'est le principal. Donc on aura fait 3 niveaux en plus aujourd'hui, hein. Alors dans le prochain épi dans le, du coup dans le prochain épisode, je pense qu'on attaquera ce niveau, enfin cette branche optionnelle qui risque de nous poser problème. Après celui-là n'est pas forcément le plus dur, je sais pas. Bon c'est surtout l'usine à première. Alors celui-là c'est vraiment bon là ce n'est plus des lettres, mais alors là je n'ai pas encore eu le courage de le faire, même moi sur ma partie personnelle. Je vois à peu près, enfin vaguement comment il faut faire. Mais ça va être horrible à écrire. Hein. Donc je sais pas si on le fera en vidéo du coup. Mais peut-être quand même que je vous le présenterai si je trouve un jour la motivation de le faire. Déchiffreur, celui-là, je sais plus trop ce que c'est, donc on verra. Ouais, il y a quand même aussi le tri, hein, qui risque de. Ouais, c'est pas forcément le plus dur. Parce qu'on a déjà fait du tri, hein, avec le tri par 3. Enfin, je l'ai pas vraiment fait en vidéo, mais je vous avais présenté un algorithme de tri par insertion. Donc on pourra s'en inspirer. Enfin voilà, bon, on a quand même bien avancé dans le jeu, hein. Là, il reste plus que 6 niveaux en tout, plus la pause finale. Donc bah, en tout cas, on l'a presque terminé. Alors, il reste plus que ces quelques niveaux, hein. Enfin voilà, donc pour tout cela, on se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à plus tard.